Dieu bénis. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Vraiment, ma petite béni soit l'Éternel. Là, qu'est-ce que tu vas dire ça? Quel monde qui va dire ça? Vraiment, ma petite béni soit l'Éternel. Là, quel monde qui va dire ça? Parce que là où tu béni soit l'Éternel, ça se tient dans le cœur. C'est parce que vous connaissez sa bon Dieu dans la ville. Amen. Pour dire béni soit l'Éternel. Amen, amen. Parce que la parole de Dieu dit, Samuel David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Je dis à nous tendez la parole, mais nous ne vivre de la parole. Et ça, moi, qui a passé dans l'église, nous, ça, Dieu me bat moins. Parce que marcher en pile côté. Moi, ouais que nous gagnons l'église, oui, nous gagnons l'église mondaine. Nous gagnons l'église, oui, nous gagnons l'église qui vive, même bien avec le monde à vivre. Mais nous gagnons l'église qui vive dans l'humilité de Dieu. Nous gagnons l'église qui vive dans la sagesse de Dieu. Nous gagnons l'église qui vive dans la sanctification avec Dieu. Mais nous gagnons l'église, il y a l'église qui, même bien avec. Quel que soit qui s'alitaille dans le monde, il y a un goût, il y a un club, il y a un doigt. Mais maintenant, je me pose des questions. Je me dis, est-ce réellement vrai l'église à Jésus-Christ est venue pour te dire je bâtirai mon église? Parce que il y a un monde qui vit dans l'église qui dit qu'il accepte Christ, que Jean le bagaille. Ou bien doit nous faire rencontre avec Jésus. D'accord, faire rencontre avec Jésus ou vivre en lui. Parce qu'on a rencontré avec un monde, après ça va être dans la vie encore. Mais l'on accepte un monde dans la vie sur l'on a. Ça veut dire que l'on accepte Christ comme sauveur et mettre la vie ou remettre la vie par Jésus, c'est pas rencontre seulement faire avec Jésus. On a rencontré ou rencontre nous dit allô, après ça on va jamais encore sur chemin la vie. Mais les m'accepter Jésus comme sauveur et mettre la vie, les vient diriger la vie et m'baka même moun encore. Ou comme ça moi je dis que moun parfait, yo baka font distinction et depuis matin de la l'école du dimanche beaucoup y a moi l'église à plein moun, mais m'a demandé moun yo dé. Moi m'a demandé moun yo dé. Parce que l'école du dimanche pas ka commencer à 11h. L'école du dimanche commençait pour commencer à 11h avec 6 mounes. Peut-être qu'on va bluffer, oui. L'école du dimanche, oui. Quand on vient entendre la parole, oui. Quand on a posé question. Et quand on a entendu en pile bagage, moi-même, je viens là, je prêche. Mieux de malheur, je prêche. Mais l'enseignement de la parole de Dieu, on a posé question. Vous comprenez pour qui ça fait, mon yo fini. Lorsque vous connaissez, vous pouvez prêcher. C'est pour vous connaître, est-ce que la vie est pour vous? Vous avez entendu des bons bagages, Jésus va délivrer, vous avez un cas, vous avez besoin de vous pour problème, parce que le prédicateur est là pour ça. Le problème, vous avez délivré. Vous faites comment c'est le problème? Parce que l'enseignement de la parole est différent de la prédication. L'enseignement de la parole où compte bon Dieu. Ou mettez l'ordre dans la vie pour vivre avec mon Dieu. Mais la prédication, c'est la manifestation de toute sorte qu'on est l'enseignement. Ou pour aller en me bon ok. Et la prédication, ils sont bagailles qui sortent de Dieu. Pour montrer que j'en ouais enseignement ta vivre là, mais ça calive. La prédication de la parole. Mais maintenant, enseignement de la parole, ou vient qu'on qui est bon Dieu y est. Et si vous ne savez pas qui est bon Dieu a, il n'a pas qu'à délivrer parce qu'on ne connaît pas. Parce que moi-même, je ne peux pas comprendre. Il y a des gens qui ont accepté Christ comme sauveur, mais David devient une nouvelle créature pour nous-mêmes, nous gens qui dans le monde. Après 10 ans de conversion, après 20 ans de conversion, vous êtes devenu une nouvelle créature. Maintenant, je suis un titan, titan gagnant, donc elle parle de un bagage qui est très important. Vous connaissez dans l'Ancien Testament, comme bagaille que bon Dieu fait, bon Dieu dit, l'homme a vint offrir un sacrifice à lui-même, qui t'a eu un taureau. Lui doit prendre le taureau, ça, faut le taureau sans défaut. Faut sans défaut.
Et là, il va le mener devant l'autel là. Faut que monde qui va offrir sacrifice là, toi ça, pour pardonner péché là, pour laver péché là, on prend faut qu'on dépose même sous toi. Pour l'identifier avec toi, ça veut dire que toi va prendre place. Et faut yo touyer toi sur l'autel là, faut toi sans défaut. Et on dit non seulement les enfants tout yel, faut le partager tout au roi pour faire toute sa grandeur pour y aller des sous bois. Et les enfants il faut asperger sang qu'on y a pour toute bagarre ça brûler sous l'autel là et c'est là ça parfum à monter devant mon Dieu, c'est le sacrifice ça bon Dieu prend plaisir ou agréable à Dieu. Gen pile moun k'ap viv yo pas agréable aux yeux de Dieu. Parce que ou pas montrer son sacrifice sous l'autel. Et non seulement le sang répand, la Bible dit le sang, la vie est dans le sang. Ça veut dire l'énorme dans l'évangile, la parole de Dieu, c'est notre vie. C'est la parole de Dieu, c'est la vie. C'est la parole de Dieu qui vous purifie la vie. Et nous parler de la parole. C'est où ça? Chaque fois que je viens prêcher ici, à ça, lui, il y a un problème pour moi-même sortir. Juste nous, Jésus, nous sommes venus pour nous venir dans l'école du dimanche. Et puis pour nous, nous habiter. Long Island, bah oui. Où est par exemple? Pour habiter bon ici, non, ça fait mal. Pour habiter bon ici, pour ne pas gêner. Vous pas gêner, non pas gêner, on va rentrer l'église à la vie de Dieu. Vous pas gêner, on va rentrer, non? Non, mais avant. Amen. Non, mais avant. Amen. Même si nous devons finir, j'ai bouleversé, j'ai bouleversé. Bouleversé, non, non, ça va bien. Nous tendons le son matin, hein? Moi, je suis béni, je suis content. Moi, je vis. Pour quelle raison? Parce que chaque jour, vous tendez des nouvelles choses, là, mon Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un bagaille ou pas qu'on est non, ou qu'il doit prendre un bagaille ou pas qu'on est dans l'autre dimension ça. Quel mot pas tendé ou pas qu'on est, l'envie de tendre moi, l'ajouter dans son dégain pour nous envie de plus fort. Pour nous, ou qu'il explique un bagaille dans deux dimensions. Après, à matin là, on gagne un verset, Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, 23, 24, m'apprend seulement, une seule bagaille seulement. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est ça la nouvelle balle matin. Les vrais adorateurs. Et m'accompagner deux mouns là matin, toujours venir avec eux, m'accompagner eux là. Et nous connaissons déjà, bah même si tu es noyé, comme fait ça, deux mon accompagné, tout le monde est une question. Ouais, ça veut dire, en papa, madame, moi, et ma tante. Tenez bien. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Et je dis à moi-même, m'a demandé, est-ce que l'église veut adorer mon Dieu? Est-ce que nous arrivons au niveau l'église adorer mon Dieu? Est-ce que parfois c'est bruit n'a fait ou bien n'a pas adoré mon Dieu? Est-ce que parfois c'est la chair ou n'a satisfait ou bien n'a pas adoré mon Dieu? Parce que les vrais adorateurs attendent Dieu en esprit et en vérité. Mais fait 20 minutes déjà, même si je n'ai pas fini de tout ça, je me suis préparé pour me dire là. Mais moi je veux comprendre l'adoration. Est-ce que l'église vraie, ils ont adoration, même adoration, Dieu dans le ciel, côté les séraphins autour du trône, les anges dans le ciel a crié Saint, 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 et l'Éternel des armées, que toute la terre remplisse de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées. Ça veut dire que celui bon Dieu doit être un homme sanctifié, une femme sanctifiée, une servante sanctifiée, sous la vie de la sanctification, ou pas à tout le Dieu ça. Amen. Parce que dans le ciel, il est écrit, il est digne de louange, il est digne de gloire, il est digne d'exaltation, il est digne d'adoration, parce qu'il est Dieu, il est sans pareil, il est le Dieu fort, le Dieu grand, le Dieu redoutable, le Dieu alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Toutes choses
chair par la dent. Parce que comme une façon où elle est, elle va adorer mon Dieu. Et je dis à nous tellement rentrer en coquille, nous, n'accepter tout le bagaille, nous ne venons comprendre rien de bon. Ton principe. Parce que ce Dieu que nous servons, il n'aime pas le pécheur. Le péché, il n'aime pas le péché. Mais le pécheur, il aime le pécheur. Mais il n'aime pas le péché. Je hais le péché. Je hais. Et de sa présence, il n'est pas d'accord au péché. Le pécheur a qu'à rentrer. La caille, il vient accepter comme sauveur et mettre la ville. À partir de ce moment, premier bagage, il fait pour pécheur qui acheter là, c'est la ville, la ville. Parce que le pape tolérant était comme ça. Il pape tolérant était comme ça. Mais si je dis, le rencontre de mon nom, ou pas joindre ni son monde qui change, ou pas joindre ni son monde qui transforme, ou pas joindre ni son monde qui régénère, ou pas joindre ni son monde qui subit une nouvelle nature. Parce que la Bible dit, nous sommes devenus une personne nouvelle. Et bon Dieu, bagaille matin. Bon Dieu, pas venir réparer le cœur qui t'écrase, non. Non. Bon Dieu, pas venir réparer le cœur qui t'écrase, non. Hein? Ou fin craser le cœur dans le monde. Ou fin craser tout ça dans le monde. Bon Dieu, pas venir réparer, non. Non, non. Bon Dieu, venir un nouveau. Et pas me dire ça, non. Je vous donnerai un nouveau cœur. Il va venir réparer ça qui t'écrase dans le monde. Je vous donnerai un nouveau cœur. Ma petite cœur de pierre là, Kumbo, you cœur de chair. Et je vous donnerai un nouveau esprit. Je veux dire, l'église qui te prend naissance là, lui va prendre naissance pour te vivre selon les pharisiens. Il va vivre selon les sadducéens, selon les scribes, selon la loi, mais il va vivre selon l'Esprit de Dieu. Et c'est ça que Paul dit, si nous vivons par l'Esprit, nous marcherons aussi selon l'Esprit. C'est ça que Jésus dit, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Amen. Je dis, est-ce qu'on va vivre selon l'Esprit? Quand on va rentrer à ma 16e, l'Esprit de est-ce que vous êtes chrétien? Ou du chrétien? Pour apprendre que vous êtes rentré à vous que vous n'avez pas cassé. Pour pas dire un secours, vous dites non, vous n'avez pas de là. Vous êtes un monde qui par contre accepte Christ. Vous avez tout le temps de parler de lui. Mon parcours accepte. Tenez bien. Le terme adoré, c'est attribuer à Dieu la valeur suprême. Qu'il a. Car lui seul est absolument digne. Mais bah là. Bon, pardon pour qui ça, non, vient avec les salles ce matin. Je ne connais pas les lieux de ça, de Dieu. D'abord, bon. Lui seul. Parce que pas une personne monde qui est digne d'adoration. Pas une personne monde qu'on a mis à genoux en ville. Pas une personne monde où on a mis place. Et ça fait les opposés Jésus. Question, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Aïe. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Je te dis ça. Tout ton cœur. Bon, si tu as pas changé de la même. Si tu n'as pas changé, pas mon Dieu. Si tu n'as pas changé, pas carrément mon Dieu. C'est ça que fait, l'on accepte Christ comme sauveur, mais à vous, premier bagage, il fait d'abord une nouvelle naissance. Et ça fait tout le monde, pourquoi faut te changer d'abord? Parce que, ou pas qu'arrêter même là, ou bien vous grandir, quand on va grandir. Faut changer d'abord. Parce que, il y a deux semences, l'on a dans 1 Jean. La parole de Dieu dit, si vous continuez à pécher, c'est parce que vous avez la semence du diable en vous. Et celui qui a la semence de Dieu ne peut pas pécher. Amen. Il ne pratique pas le péché. Parce que la semence de mon Dieu, et moi, mais le pasteur a dit ça, oui. Vous êtes temple, mon Dieu. Vous avez la semence de mon Dieu là-haut. Bon, vous avez la semence de mon Dieu là-haut, vous voulez être à ça. Hein? Mais vous l'avez.
mais je vais vous regarder. Pour vous dire, habitez, habitez, où c'est temps, mon Dieu? Ou pas que tu es qui dans le sang, tu vas adorer mon Dieu dans le ciel là? Et puis, où c'est temps? Pour cet esprit là, et puis, bon Dieu habite. Là où même bon Dieu habite, mais où même, c'est. Mon frère, mais il faut là où même bon Dieu habite, et vous avez fait ici, comme ça? La mère, la mère. Vous n'êtes pas répondre. Moi, je dis, depuis que je suis venu, moi-même, je ne suis pas venu faire mon plaisir. Depuis que je suis venu ici, je ne suis pas venu faire mon plaisir. Et ce n'est pas ici seulement, non? Depuis que je suis venu, même quel que soit dans l'église, je ne suis pas venu faire mon plaisir. C'est tout, c'est par l'esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Et je suis venu à l'église là, moi-même, je suis venu pour nous qui sauver, pour nous qui marcher à mon Dieu, pour nous qui vivre à mon Dieu. C'est ce que vous venez, vous craignez là, marcher à mon Dieu. Montrer la gloire. Amen, amen. Je dois vous trop faire pour n'importe qui bagaille ou courir. C'est de lui la valeur suprême. Attribuer la valeur suprême. Bon Dieu va mettre la vue. Mais je vais l'enjeu. Bon tiers personne. Depuis qu'on tiers personne qui prend place bon Dieu dans la vie ou détournons de mon ouïe. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Oh, mais qui sache force, oui. De toute ta pensée. Et t'as dit que Jodia ou l'église, et puis pensons au côté de Dieu. Et puis, les gens comprennent qu'ils sont qui sont comme ça dans l'évangile. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et la Bible dit, sous moissonner pour l'esprit, on va récolter. Et sous semer pour la chair. Aïe, c'est pas récolter la chair, non? La corruption. C'est pas récolter la chair, non? La corruption. La merde. Entendez bien, nous vivons longtemps, nous ne pouvons pas qu'il mourir. Amen. Et nous bien dire, pour pipre la mort que la vie. Amen. Même pour pipre la mort que la vie, chaque jour à vivre, c'est comme si vous êtes son phare et mon défaut qu'on va mourir. Amen. Et ça, comme vous pipre la mort que la vie, et c'est-à-dire que le fait que nous sommes Christ, même lorsque la mort va prochaine papelle. Amen. Parce que Jésus dit, il y a des gens qui veulent sauver la ville, la perdent. Mais il y a des gens qui perdent à cause de moi. Aïe! On ne peut pas perdre là, vous n'importe qui, je ne suis pas à cause de lui. On va pouvoir jouer une vie encore. La vie avec vous. Pourquoi vous n'avez pas de mal qui aurait été de l'île dans la terre? Aïe! Ce n'est pas un bon Dieu, la valeur suprême de la vie. Aime tout ça. Si quand on ne pas changer, on ne pas aimer mon Dieu. Amen. Si non, mon patron, et d'abord tout, je devine si je devine ça. Qui vous a appelé? Je démontre que si l'esprit n'est pas régénéré, pas transformé, pour le voyer signal de transformation, pas non, pour non, qu'on est pas à vivre n'importe qui, hein? Pour le changer, tout est transformé, pour le brûler, on va pouvoir l'esprit à capturer, c'est pas l'esprit de Dieu, pour n'y a qu'à lui-même. L'impact à vivre n'importe qui chant, parce que l'esprit a régénéré, non, non, régénéré, quand on a obligé de plier dans le bas de messieurs, ça. Amen, amen, amen. Amen. Mes frères, sous mon esprit Chanel, l'esprit déjà Chanel déjà, quand il a dit que, il dit non, 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 non. Ou t'es que tu as arrêté la carte bien propre et puis lâcher à faire ça le moto là, le regarde où le motel. Ou le regarde où le monde nous va te plaire. La vie a mis au logement. Amen. Tu es un petit peu. Quelqu'un nous va te plaire, quelqu'un nous va te plaire. Il dit qu'on n'a pas la robe à te plaire. Et puis lâcher le regarde où le monde. T'es bien. Vous comprenez la Bible dit, dans le psaume 87, verset 8,
Samuel a dit, famine des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur, famille des peuples. Rendez à l'Éternel gloire. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Est-ce que la maison là qu'on l'a enlevé et puis gagner une dévotion là? Amen. Aïe, 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 on va prêter, non? Amen. On va prêter. Famille des peuples. Rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel. Il dit ça deux fois. Rendez à l'Éternel. Et ma douce à matin, l'adoration à Dieu. L'adoration à faire à bon Dieu. Li pas un choix, non? Son obligation. Son commandement, lié. Il n'y a pas de choisir, non? Il n'y a pas de choisir, non? Vous choisissez si vous voulez, non? De vous tous, c'est serviteur de Dieu. Son obligation, de vous louer, mon Dieu. Ouais, c'est des mouvements, amen. Famille des peuples. Mais pour nous, m'a demandé ça à l'église là. À l'église là, monde qui devant Dieu. Serviteur. Servant. Parce que tout le monde qui a des là, il faut serviteur forcément. Rendez à l'Éternel gloire. Comment il faut faire dévotion pour lever à 5h du matin, 6h du matin, si nous allons à l'école, et puis nous allons au travail pour nous lever, pour nous prier ensemble. Parce qu'on ne peut pas comme ça, on ne peut pas venir à l'école. On ne peut pas comme ça, on quitte pour le travail. Qui plan que vous avez fait pour détruire le travail. Il faut arriver au cas où vous avez dérangé l'esprit. Vous avez toujours un bagage qui dérange le net pour vous mettre. Montez sur loué, l'on se loué, et puis on dit la parole là, que mille tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas assez. Mais tes yeux seulement, tu me garderas, et tu auras la punition des méchants. Et quand les méchants s'avancent, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancèlent et tombent parce que l'âme et l'adoration, tout ça, on te fait bien, la peau de réunir. Nous allons vivre une vie surnaturelle parce que nous ne sommes pas des humains comme des païens. Ça me l'a dit. Païens n'ont pas de Christ. Il n'y a pas qu'à vivre l'osphère spirituelle. Mais le fait que de Christ, Christ transporte dans le royaume de son Père. Et ma vie, le monde spirituel, malgré me sous la terre, mais me régénérer, me sanctifier, me laver, me contacter à mon Dieu, ma vie, l'osphère spirituelle. Je ne vais pas réfléchir même à elle. Je ne vais pas penser même à elle. Et tout ça, je fais contre moi. Parce que ma vie dans le monde spirituel, qu'on y a maintenant à défaite. Amen. Bonjour, ma gueule. Je me dis ça ici à déjà. Amen. D'où quand ça passe? L'origine de Christ, il y a un nouveau nom. Et non, ça, pas de monde qui connaît. Seulement celui qui vous a donné ce nom. Ah, voilà. Et le fait que pour yon faire yon bagay qui doule, pour yon al kativine pour tout yon, pour yon al kon malfecte pour tout yon, pour yon al kon maçon l'oeuvre, pour yon tout yon, pour yon non. Parce que sou pas kon nom, ou pas karelem, dans le monde spirituel, mon nom, mais ça n'a pas ton nom. Parce que c'est bon Dieu qu'on est. L'oré, l'aime qu'a divin, noa. Où est le weekly, maman avec papa, m'a dit non. Même son l'autre monde. Qu'on y a, m'a pas paraître. Non, m'a changé. La paix à peur, la paix à peur. Non, m'a changé, m'a pas paraître. Ou pas, m'a pas paraître. Aïe, ou pas, vous prenez ça, non? Ou pas, il y a des l'oré, pour bon Dieu, pas montrer, il y a son plan, mais paraît d'absent. Parce que nous avons changé. Ça veut dire toute ma dichon. Ou un foyer sous wiki, ou pas mettre sous wiki parce que nous avons changé. C'est une meilleure qu'on aimerait les wiki parce qu'il habite avec nous. Mais nous avons l'autre nom. T'avais à faire. T'avais à faire. Attendez bien. Ça, ça va être là. L'un d'un bidon. L'un d'un bidon. Les Jacob finissent fête d'égal qu'à Esaïe. Les Esaïe rangent l'école. Pour la bataille avec Jacob, il est en rangé à Mel. Pour la bataille avec Jacob, et puis Jacob a rencontré à tous les anges. À Bethel. Nous avons bataille avec Saint-Jean.
Et puis là, j'ai une bataille avec Saint-Jean. Monsieur dit, Saint-Jean, il faut bénir. Saint-Jean dit, monsieur, il faut bénir. Il dit, oui, il faut bénir. Je ne vais pas monsieur machine. Il ne va pas le terre. Il ne va pas rien. Du jour où ça passe, à partir d'aujourd'hui, ou parler les Jacob encore. Changer le nom. Mon nom Israël. Ça veut dire que c'est un nom de bénédiction. Un nom qui sort de la bouche de Dieu. Israël. Quand il y a les ans, il va le rencontrer. Il va le rencontrer Jacob. Il va le rencontrer Israël. Ou bien la bataille va faire. La mère avant, la mère avant. Ça veut dire que les délais ont fond de bagaille sous l'eau. Là, vous ne pouvez pas le rencontrer, c'est pas où le rencontrer, ou passer sous l'île Marlon. Ça arrive, je n'ai pas, oui, dans l'église de Dieu, qu'on arrive. Mal prêché dans l'église de Dieu, qu'on a eu une semaine de réveil. Les amis au séminaire, les pasteurs à Pépa, partie d'elle, je vois, et mal prêché dans le séminaire. Là, ils viennent commencer à prêcher sous chaussement des chrétiens. Il y a quatre nègres qui disent, assois ma précise, bat, monsieur, dans le corridor. Mais même pas qu'on est. N'est-ce que je venais avec un pasteur, par un moins, qui était dans ce séminaire, c'est pour l'autre bois, il était à faire vacances, et puis, il a dit, monsieur, ça, monsieur, pas les trois, n'a pas les bouche-li. Et puis, même pas, c'est dans le corridor, je rencontre quatre nègres dans le corridor, je me dis, salut mes frères, je dis, salut, bien-aimé. D'adoration, est-ce que maison la caille ou son centre de louange? Est-ce que d'abord ou même ou son centre de louange? Parce qu'on pas qu'à servir de Dieu pour chabaye à monter dans le cœur, pas qu'à servir de Dieu pour cantiquer à monter dans le cœur, non, ou pas j'aime bien envie de chanter, ou pas j'aime bien envie de louer, et tandis que Dieu assis au milieu de la louange, que est l'orité, ou qu'on a conduit machine, et puis on cantique monter. Ou en parole qui monte. Pour qui raison? Parce que ou sont offrandes qu'a loué mon Dieu, qui fait mon Dieu plaisir. Tenez bien. Non seulement ça, il dit rendez à l'éternel gloire et honneur, adorer, c'est ressentir la présence de mon Dieu dans son cœur. Ressentir. Sentir la présence de mon Dieu. Même si vous ne pouvez pas connaître ça qu'on donne. Un homme qui a bouilli. Et puis vous-même qui là, sous le bon Dieu avec, vous avez frémi. Vous avez senti comme bagage. Parce que depuis bon Dieu en côté, l'atmosphère a changé. Depuis bon Dieu en côté, l'atmosphère a changé. C'est ça qui fait que des mains. Nous chantons. Nous faisons bruit. Vous voyez, nous voyons l'atmosphère a changé. Nous souhaitons. T'as bien avant. L'atmosphère va changer. Pour quelle raison? Parce que le monde qui a pas d'oreille là. Il ne va pas adorer en esprit et en vérité. T'as bien avant. Aïe aïe aïe. Bon, nous connaissons un peu le monde qui va dire. Et forme qui dit ça. C'est tout même, tout même. T'as bien avant. Adorer, c'est exprimer ce que l'on ressent. T'as bien avant. C'est exprimer ce que l'on ressent. On est tellement rempli avec grâce pour Dieu derrière ou préparer les chants pour chanter. Et puis pendant qu'on chante, et puis qu'on cantique qui sorti, qu'on est sorti dans le monde. Ça veut dire que quand il y a ou sous l'onction, et pendant qu'on chante, bon Dieu, bon monde n'a pas dit avec. Bon Dieu, bon monde de cantique là, qui veut décourager. Bon Dieu, bon monde de cantique là, qui sorti passé. Nous misons dans la semaine là, nous faisons une déception. Parce qu'on va pas adorer mon Dieu en esprit, en vérité, qui compte tout le monde. Il compte le monde du coup. C'est dit ce que son ressenti. Et c'est ça fait si que on pas jambe un cantique là-dedans, ma soeur. Mon frère, ou on pas jambe un cantique monté sous cœur pour adorer mon Dieu, pour louer mon Dieu. Ou est télévision seulement en face. Hein? On va tout le temps la télévision. On va y aller. Amen.
Comment ça passe? Si on bagaille le temps ça, qui plus remplace bon Dieu, c'est téléphone. Si on bagaille le temps ça, qui plus remplace bon Dieu, c'est téléphone. Ou à dormir téléphone dans le bas. Ou à prier téléphone dans le bas. La mère avant. Ou à manger téléphone sous table. La mère avant. Ou quand tu vas sortir. Ou il n'y a pas de porte là. Ou t'es des poches. Ou est-ce que ou pas prier, ça va intéresser. La mère avant. Ou à dire du coup, ça va intéresser. Mais téléphone. La mère avant. Je dis à nous finis, c'est pour nous qu'on est dans l'église. Mais tout nous-mêmes nommés Satan. D'abord, avant. Tout nous-mêmes nommés Satan. Attendez, ce que l'on ressent, et non seulement ça, c'est s'approcher de Dieu avec un sentiment de profond crainte rempli d'admiration. Amen, amen. Parce que celui qui s'approche de Dieu, il n'y a pas approché de Dieu, d'accord, il faut qu'on dise mon Dieu. Et l'on va pas approché devant mon Dieu, il faut gagner la crainte. On va pas approché devant mon Dieu, parce que Dieu est un feu des moments. Parce que Guinchon va venir approcher le cas mal pour vous. Mon frère Guinchon va pas approcher le cas mal pour vous. Parce que ce Dieu, parce que le monde parlait avant une première fois, il parlait avant une deuxième fois, il voit un deuxième président qui vient de sortir, il voit un troisième, il tout change, il voit un quatrième, où style continue, et vous venez devant mon Dieu. On t'a dit, vous venez tomber dans le livre de Proverbe, qui dit celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Ou qu'à l'enjeune, pendant l'enjeune, non, c'est un mot, tu vois, mon petit être, oui. C'est temps pour plonger l'abomination puis mal. Parce que vous ne pouvez pas dire marcher. Ou la place à l'eau de quitter la place à l'enjeu toute la journée. Qu'il soit brouillé. Maintenant, dis amen. Adorez Dieu. Ou la tout bagaille et pour approcher. On ne dit pas de tout. La bien. On ne dit pas moi qui dit, non. C'est la Bible qui dit. Parce que l'eau a approché devant ce Dieu. Même les anges dans le ciel, ils ont comme il a pas fait, vous faites. Parce que le bavé est passé 2 heures. Dans les 2 heures, c'est le bavé. Bavé fait ça, et tandis que mon message, il y a des temps. Il y a des temps, c'est si je coupe et je ne coupe pas beaucoup. Non, c'est pas faute, moi. C'est ça que je parle méchant ça, qui dit c'est que je garde moi comme ça. Je fais jeûner,
Je jeûne par force. Parce que je ne vais pas manger pour manger. Je jeûne. J'ai combattu parmi les bêtes féroces défaites. Parce que c'était Paul qui était comme ça. Là, Paul finit. Avant Paul aller, Paul dit le moment de mon départ approche. Je sers déjà de libation. Et puis il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. La foi. Now, désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Paul, oui, quand il dit, j'ai combattu le bon combat. N'est-ce qui dit me nom qui est élevé jusqu'au troisième ciel, m'a dit non. Parce que je ne suis pas de l'orgueil tête lui. Pour te dire qui est lié. Paul, mon choix, Paul a guéri mon. Je dis à où est, ou même, bon même démon, un mauvais esprit sur mon balade, oui, avec mon l'autre maintenant, mon choix va guérir mon. C'est là qui l'église nous est. C'est qui nous est aujourd'hui? La bienvenue. La paix avec vous. C'est pour Dieu béni. Je vais retourner ma fille prêcher le message. La paix avec vous. Montrons à tout le bon Dieu. Est-ce que c'est fait bruit de son bagage sur le temps? Faut l'envina pour le cœur rayonner de joie. Parce que la Bible dit celui qui tourne ses regards vers Dieu, son cœur est rayonné de joie. Et puis vous approchez de Dieu, et vous êtes dans la présence de mon Dieu là, et vous vivez dans la présence de mon Dieu, voilà la joie. Voilà la joie parce que Dieu est la source de la joie. Parce que le temps de l'homme qui finit fatigué, les problèmes lâchent, finis avec vous, pour les full battre, pour aller chercher le visage perdu là. Voilà la présence de mon Dieu. Pour faire son rire dans la présence de mon Dieu, et puis présence là, rire là. Trésor, c'est ça que fait. L'on retourne. Moun qui tape, moun qui connaît le fini, voilà, l'oubli est tourné. C'est ça que fait. Nous disons, bon, qu'il y a une saisie. Parce que pour ça, ils ont fait. Ils ont connu le fini, ils ont connu le fini. Ils ont connu le fini, ils ont connu le fini. Et puis, même qui sont fait, voilà, sous ça. Ou bloquer, ou passer une nuit dans sous ça, et puis l'on lève dès le matin, ou bon force de plus. Aïe, 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 il donne la force, c'est pas moi qui dis ça non, à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance.